Vagabond quitte la Bretagne le 12 mai 2002, cap au Nord. Eric, dis donc, si tu passes entre le Scré et Arbour, tu vas peut-être gagner 10 minutes sur tout ton programme. Bah écoute, 10 minutes sur un an et demi, c'est pas négligeable quand même. Éric Brossier, son capitaine, et France Pinxon-Ducel, navigatrice, se sont rencontrés sur les chemins de l'aventure. Tous deux passionnés par le Grand Nord et la mer, ils partagent aujourd'hui leur vie à bord de Vagabond, voilier polaire spécialement conçu pour la navigation dans les glaces. Fascinés par les régions sauvages et glacées de l'Arctique, ils préparent depuis plus de 3 ans une expédition qu'aucun voilier n'a réussi à ce jour, relier l'Atlantique au Pacifique en longeant les côtes russes en un seul été et sans l'aide d'un brise-glace. Cette voie maritime est totalement bloquée par la banquise pendant l'hiver. La courte période de l'été arctique ne laisse souvent qu'un étroit et dangereux passage entre les plaques de glace. Longue de près de 7000 km, cette route fut convoitée pendant des siècles par les Européens. Elle leur aurait permis de faire du commerce avec l'Asie sans passer par les mers du Sud, contrôlées par les Espagnols, ni par l'intérieur des terres, contrôlées par les Turcs. Mais au cours des différentes tentatives de passage par le Nord, des dizaines de bateaux sombrèrent, broyés par les glaces, et des centaines de marins périrent du froid, de la faim et du scorbut. Cette voie maritime est ainsi devenue un mythe pour les navigateurs et fut baptisée « Passage du Nord-Est ». Deux équipiers accompagnent Éric et France pour cette expédition. Gérard Guérin, aventurier au long cours passionné par les régions polaires, et Karen Mulder, une Hollandaise qui étudie les peuples du Nord. Depuis un mois, Vagabond remonte la côte norvégienne pour atteindre le port de Mourmansk, en Russie. Cette première escale sera déterminante pour l'expédition. Les autorisations du gouvernement russe, nécessaires pour naviguer le long des côtes de Sibérie, sont très difficiles à obtenir. Nous ne savons toujours pas si nous pourrons nous lancer dans cette aventure rêvée et préparée depuis plusieurs années. La plus grande appréhension, je pense que c'est quand même le verdict final des autorités, quoi, qui peut, on le sait très bien, être négatif. Quoi. Donc, faut croiser les doigts, on ne peut pas non plus changer la politique russe. Hein, ça. Après avoir passé le cercle polaire et franchi le cap Nord, nous voici en mer de Barents, à Mourmansk, la porte d'entrée du passage du Nord-Est. Mourmansk, 400 000 habitants, la plus grande ville de l'Arctique. C'est un port de pêche qui a longtemps alimenté en poissons les villes de Russie et un port militaire qui abrite une grande partie de la flotte russe. Sous-marins, brise-glace, navires militaires, cargos et chalutiers s'y côtoient. C'est ici que navires marchands et tankers se réunissent pour former des convois avant de s'engager dans le passage du Nord-Est, escortés par un brise-glace. Ce chemin est de loin le plus court depuis l'Europe pour atteindre le Pacifique, mais sa fréquentation a cessé peu à peu depuis la fin de l'époque soviétique. Проспекты, улицы пусты, и в доме тоже не души. Ну а душа как пустота, и за душою ни гроша. Après 15 jours d'escale sans réussir à obtenir les autorisations, Éric décide de se rendre à Moscou dans l'espoir d'activer le processus auprès des ministères concernés. L'équipage resté à bord s'affaire aux derniers préparatifs. Vagabond doit être prêt à toute éventualité, car rester bloqué tout un hiver par la glace est une situation envisagée. À ce jour, tous les voiliers qui ont emprunté cette route ont subi ce sort. La réussite de cette expédition dépendra beaucoup de la bonne préparation du navire. Gérard est le mécanicien du bord. Il a vécu chez les Inuits du Canada, en Laponie et au Groenland. Ses expériences arctiques l'ont amené à conduire un attelage de chiens de traîneau et à vivre dans des conditions extrêmes auprès des peuples du Nord. Comme on a des risques de passer un hiver, bah je voulais être complètement autonome au niveau réparation. Quoi. S'il nous arrive quelque chose, j'avais envie qu'on soit capable de réparer tout ça. Quoi. Donc j'ai emmené un poste de soudure, une meule,
Des outils à bois, scie circulaire, scie sauteuse. Réparer une petite avarie, hein, évidemment, si y a un iceberg qui rentre et qui perce la coque. On fera une bricole des merdes pour aller à un port, mais on ne peut pas tout réparer, mais disons l'essentiel, quoi, les petites choses. France travaille depuis plusieurs mois à la préparation des vivres du bord. Les aléas d'une telle aventure nous obligent à instaurer un rationnement journalier pour garder une autonomie maximale. Pour 6 personnes et un an, il y a 100 g de féculents par jour. 100 g, alors ça fait combien ? Ça fait 200 kg de féculents, 200 kg de céréales, 100 kg de chocolat, 100 kg de cacahuètes, que des chiffres un peu abominables comme ça. Et c'est des trucs qui font comme des repas de survie de base. Après, on agrémente, si on pêche, tant mieux, on aura du poisson. Les résultats, on a vraiment de quoi tenir pendant un an à 6. Bon, ben voilà, ce qu'on avait oublié, c'était le chou-fleur, et je croyais que ça se conservait bien, mais apparemment pas. Karen a déjà vécu en Russie et en connaît les difficultés. Sa maîtrise de la langue russe fait d'elle l'interprète de l'équipe et nous permet de communiquer avec les autorités et la presse locale intriguée par ce voilier et son étrange destination. Alors que les démarches auprès des administrations russes se prolongent, un autre voilier étranger est arrivé aux côtés de Vagabond. Dagmar Haen, un vieux gréement. Il attend lui aussi le feu vert pour se lancer dans l'aventure du passage du Nord-Est. Son capitaine, Arved Fuchs, l'a déjà tenté sans succès à 3 reprises. Nous sommes donc 2 voiliers à relever le défi cette année. Dagmar Haen, ayant obtenu les autorisations plus rapidement que nous, prend quelques jours d'avance. L'attente nous semble interminable. Pourtant, Eric, de retour de Moscou, finalise les dernières formalités. C'est seulement le 30 juillet, après 6 semaines d'obstination et de patience, que Vagabond et son équipage sont enfin autorisés à reprendre la mer. Cette autorisation ne vous donne pas le droit de faire des recherches dans l'Arctique russe, de pêcher ou de faire du tourisme tout le temps que vous passerez le long de la route maritime du Nord. Но я повторял от зари до зари «Карамба, коррида и черт побери!» Par diplomatie et pour obtenir les autorisations, nous avons accepté un nouvel équipier, Boris Volny. C'est un navigateur russe qui a passé une partie de sa carrière à convoyer des cargos et des tankers sur la route du Nord. En face de nous, 5 mers à franchir. De l'autre côté, le détroit de Bering et l'océan Pacifique. C'est un objectif qui nous paraît bien lointain. Si nous l'atteignons cette année, cela symbolisera une victoire dans l'histoire de la navigation polaire. Nos chances de réussite dépendront de l'état de la banquise. Si les glaces restent trop denses, nous hivernerons comme l'ont fait tous nos prédécesseurs. Notre destin est maintenant lié aux conditions climatiques. Sur cette route, on sait qu'il y a de la glace à gauche, en gros, au nord.
et de la terre à droite. Et bon, bah, il faudrait pas qu'il y ait un coup de vent de nord et qu'il nous coince un petit peu fort contre la côte. Ensuite, c'est plutôt au niveau de la résistance physique que j'ai quelques inquiétudes. C'est vrai que s'il y a des glaces lourdes pendant longtemps, bah, il faudra s'organiser en conséquence, c'est-à-dire dormir 2 heures tous les 4 heures. Éric, France et Gérard se partagent les quarts de veille. 4 heures de jour et 4 heures de nuit chacun. Ils sont alors seuls responsables de la navigation et surveillent la présence de glace. Bon, faut ranger les voiles. Cinquième jour de navigation. En arrivant en mer de Kara, nous sommes confrontés pour la première fois à des plaques de glace dérivantes. À partir d'aujourd'hui, nous devons redoubler de vigilance pour slalomer entre les morceaux de banquise et éviter les collisions. Un choc par grande vitesse pourrait gravement endommager la coque et être fatal à Vagabond. Heureusement, le jour permanent de l'été arctique nous permet de surveiller plus facilement les glaces. Vagabond n'en est pas à sa première expérience. Conçu spécialement pour les régions polaires, il a déjà beaucoup navigué dans l'Arctique. Sa coque renforcée, ses hélices protégées et son étrave inclinée le rendent plus efficace pour naviguer dans les glaces. Un poste de pilotage avancé, avec une grande surface vitrée, permet au barreur de rester à l'intérieur, aidé des conseils de la vigie installés en haut du mât. Ah, il est la barre de flèche. Ce poste d'observation permet de trouver le meilleur itinéraire lorsque les plaques de glace sont trop denses. Il y a seulement 15 jours, l'entrée en mer de Kara aurait posé de sérieuses difficultés. Les cartes de concentration de glace que nous recevons à bord, par liaison satellite, nous montraient le détroit de Kara totalement bloqué. Passé ce détroit, la mer libre de glace nous permet une progression rapide jusqu'à Dixon, la première de nos 3 escales autorisées. C'est ici que nous rejoignons le voilier allemand Dagmar Hahn. C'est une vraie ville russe, hein, une vraie ville soviétique. J'ai lu et des gens m'ont dit que Dixon, c'est un petit désolé, mais c'est vraiment désolé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui restent ici. Tout c'est noir, il y a beaucoup de charbon là-bas. Et tout ça passe avec le vent ici. Toute la ville est noire et tout est cassé. Mais des gens, ils sont vraiment sympathiques. Nous rencontrons des enfants d'une classe russe venus à Dixon pour visiter une station polaire. Karen leur montre la timonerie et le carré d'habitation. Ça, c'est la barre. Ça, c'est le radar. Et ça, le GPS. Vous connaissez le GPS ? Il nous donne notre position. Là, c'est l'ordinateur avec toutes les cartes maritimes. Et là, nous avons la liaison satellite pour connaître, entre autres, la météo ou l'état des glaces. Après Dixon, la prochaine étape sera Tixi. Mais nous ne savons pas si nous y serons dans une semaine ou dans un an, après un hivernage dans les glaces. Par sécurité, Karen, qui a des problèmes de santé, préfère débarquer ici. Boris sera désormais notre seul traducteur à bord.
Tout 87 000, hein. Nous avons effectué le premier tiers du trajet en un temps record, mais il nous reste encore 5000 km à parcourir. Si nous voulons garder toutes nos chances d'atteindre le détroit de Bering cette année, il nous faut partir rapidement car les mouvements de glace sont imprévisibles. Nous partons quelques heures avant le voilier allemand Dagmaren, direction le cap Tcheliouskin, le point le plus au nord de tous les continents, un des passages les plus difficiles de cette route maritime. Nous essayons de rester en contact radio avec les Allemands afin de nous échanger les informations de glace et de météo, mais aussi pour connaître leur position. Là, tu vois juste après la pointe à droite. Moi, je pense qu'il peut prendre le cap. Enfin, moi, je vois ça clairement. Je vois pas ce cap, moi. Et d'ici, sérieux, je vois la pointe. Vagabond calling. Vagabond, Vagabond. Yes, oh, I can read you 5-5. What is your position? What is your position, over? I give you our position. Our position is 76 degrees 34.9 minutes north and 097 degrees 32.2 east. We are anchoring on the west side of the Tuatova Island. What are your plans right now? Over. What are our plans? Sailing or not? there is a little ice. There is a little ice around and fog. We were planning to shelter further east on along the coast. We are probably waiting for fog to go away. We're waiting for fog to go away. Over. Roger. So we are sheltering here behind the island. Did you get the message from that they asked us to wait for the Plusieurs reprises, nous devons utiliser les perches à glace pour continuer à progresser. Elles servent à repousser les morceaux de banquise et aident à se frayer un passage lorsque les blocs de glace sont trop denses pour naviguer librement. Tu as dans la tête des petits blocs où tu peux faire ça, mais ce n'est pas des petits blocs, c'est des énormes blocs. Là, moi je vois rien. C'est une plaque de banquise qui est à un moment, elle fait ça, la plaque de banquise. On est allé dans ce coin-là. Alors qu'on avait un tout petit peu à gauche et on a contourné la plaque. Et là, tu crois qu'elle y est loin devant là? Maintenant, je ne sais plus. Elle y est. Moi, je la vois. Sérieusement, je vois de la mer libre. Et on est au cap. À mon avis, il faut toujours y aller aussi. Avec ça, parce que c'est tellement vite désorienté qu'à force d'aller à droite, c'est... C'est bien, mais quand tu as une grande plaque, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu peux pas, tu vas pas rentrer dedans. Si elle fait 500 mètres de long, la plaque, tu vas pas la casser. Sinon, je mets là. Pour la première fois, notre progression est stoppée. La meilleure solution dans une telle situation est d'attendre que les courants et les vents favorables dispersent les glaces. Les autorités de Mourmansk s'en inquiètent. Elles nous demandent ainsi qu'au voilier allemand, qui n'est pas très loin derrière nous, d'attendre la venue du brise-glace qui guide le premier cargo de la saison. S'il y a une compression de la glace, il faut tout faire pour que la glace appuie au maximum au niveau de la flottaison et pas trop haut sur le bateau, parce que c'est la coque qui est quand même conçue pour encaisser la compression, mais non pas les hauts du bateau. Et ensuite, bon, si dans le pire des cas, la compression nous semble trop forte pour le bateau, et là on se prépare à évacuer le bateau et à rejoindre quelques plaques de banquise
et attendre de voir ce qui se passe. Quoi. On va aller chercher des fringues chaudes. On va passer l'hiver. Pantalon, t'as ce qu'il faut, toi. Hein. Quoi, pantalon? En collant. Tu veux rien rajouter pour l'instant? Ouais, j'ai des collants. Ouais, j'ai des collants. Bon, de toute façon, on a dit que tu prenais le pantalon, le gros fourré, là, le mien. Ouais. Je vais rapporter. Bah écoute, ça a l'air de se dégager, alors il faut arriver à séparer la brume du nuage, de l'eau, de la glace, enfin bon, c'est pas évident de voir loin, surtout que la glace ici en Sibérie, elle est vraiment plate, très fine, quoi. C'est de la banquise de l'année, mais ça semble navigable, donc ça vaudrait le coup de remettre en route. En l'absence de nouvelles du brise-glace, qui doit se trouver encore loin derrière nous, et malgré les recommandations de Mourmansk, nous décidons de reprendre notre progression. Il va falloir faire un gauche-droite, Kelly. Tout de suite à gauche, là ? Tout de suite à gauche ? Dans 50 mètres. Dans 50 mètres. La coque de Vagabond est construite sur le même principe qu'un brise-glace. Son fond plat et surélevé permet de monter sur les plaques de banquise. C'est le poids du bateau qui casse la glace et permet de se frayer un chemin. Trois jours seulement après notre départ de Dixon, le cap Chelyuskin nous ouvre ses portes. Hormis les quelques navires qui passent durant le court été, seuls les hélicoptères peuvent y accéder. L'hiver, les températures extrêmes et la nuit polaire font de ce cap un des endroits habités les plus inhospitaliers de la planète. Aujourd'hui, seuls une vingtaine de militaires et quelques scientifiques y vivent. Bien souvent considéré comme la clé du passage du Nord-Est, ce cap est le plus septentrional de l'Asie et bien souvent le dernier à dégeler. C'est incroyable, il n'y a pas de glace. Ils ont mis quelques morceaux pour décorer là, mais c'est... On nous avait recommandé d'attendre le premier convoi, il est passé quelques heures après nous. Le Dagmar, les Allemands sont arrivés quelques heures après nous aussi. Donc c'est un jour assez fort pour nous, bien sûr, parce que ça concrétise une super progression, une bonne progression de l'expédition. Les Allemands qui partent. L'année dernière, ce détroit n'a pas dégelé du tout. C'était même pas envisageable de passer. Donc. Alors, ce qui est devant nous, on se demande à quelle vitesse on va le faire presque. Mais je commence à plus douter. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on sera à Providenia un mois de septembre plus tard. Allons-nous bénéficier d'une année exceptionnelle qui nous permettrait d'atteindre Bering au cours de l'été ? Nous aimerions le croire, mais nous entamons à peine la deuxième moitié du trajet et il est impossible d'anticiper. Un fort courant peut transformer une eau libre en banquise et bloquer toute progression.
Trois jours après avoir passé le cap Chelyuskin, nous rencontrons à nouveau de fortes concentrations de glace. Devant nous, des morceaux de banquise disloqués s'étendent à l'infini. Il va falloir étudier de très près la route à prendre, afin de ne pas rester bloqué dans ce labyrinthe. Gérard monte dans le mât. Ces indications permettront à France, qui est à la barre, d'éviter ces véritables pièges de glace. Boris et Eric dorment. Dans quelques heures, si la situation n'a pas évolué, ce sera leur tour de se battre avec des morceaux de banquise. Est-ce que c'est pareil jusqu'à l'autre bout, jusqu'au fond de l'horizon? Il n'y a pas de bouchon? Est-ce que tu parles dans le micro, là? Si je prends le champ droit, j'ai bouché. Si je prends le champ à gauche, j'ai bouché. Oh putain, c'est pas terrible. Sur un angle de 90 degrés, c'est relativement clair comme c'est actuellement. Là. On va regarder un peu dessus. Là. Ok. Boucher à gauche, boucher à droite. Là bien. Mais si ça se trouve, un petit peu plus au sud, on va retrouver de l'eau libre. Mais je te jure, même à la jumelle, je suis incapable de la voir, l'eau libre, c'est tellement loin. Plutôt tout à fait contre le gros ou un tout petit peu plus à gauche, c'est mieux? Hein? Ouais, mais tout droit, exactement à gauche du gros, quoi. C'est ça, ouais. Il y a des petites merdes entre côté qu'il faudra pousser. Ok. Ah, ça va mal, là, j'avais pas vu, mais la plaque, elle est quand même un peu grosse à pousser. Je peux aller à gauche, alors? Là, on est un peu dans une impasse, là. Bon, je vais essayer... Je sais pas quoi te dire, la France, là. Ouais, je vais essayer. Une petite minute que je réfléchisse. Non, ce que je vois, je vais essayer de pousser quand même. Là, c'est, cette plaque-là, c'est une grande plaque, là. Ouais, mais tu veux que je te dise, pour l'instant, il faut juste un coup de perche, là. Bah, je vais aller le donner, moi, le coup de perche. L'équipage fatigue. La navigation demande beaucoup de concentration. La présence d'une deuxième personne pendant les quarts de veille devient indispensable. Chacun ne dispose plus que de 2 heures de sommeil toutes les 4 heures. Ouais. Bonne sieste. Hein? C'est bonne journée maintenant. Après plusieurs heures de slalom au milieu des glaces, un chenal s'ouvre devant nous vers le sud. Nous changeons de cap et évitons ainsi de prolonger un combat à l'issue incertaine. C'est avec soulagement que nous retrouvons les eaux libres de la mer des Laptèves. C'est amusant parce que on est dans des petits fonds, mais petits fonds. Là, je vois 4 mètres, 3 mètres 8.
Bon, alors il y a les vagues aussi, hein. Et c'est curieux parce que on voit toujours à peine la terre et voilà, il y a 4 mètres de fond là. Mais on pulse pas mal, hein. Tout à l'heure on avait du courant avec nous, on marchait à 7 nœuds. Je crois aussi qu'on a semé nos cousins germains d'Agmar parce que définitivement personne ne les a vus entre ici et Tixi. Mais nous, bonne situation, quoi, hein. On n'a plus qu'à surveiller le fond là quand même. Cinq jours après notre départ du cap Chelyuskin, nous arrivons à Tixi, notre troisième et dernière escale autorisée avant le détroit de Bering. Vagabond est un des premiers voiliers étrangers à être autorisé à naviguer le long de cette route depuis la chute de l'Union soviétique. Chaque escale donne lieu à d'interminables palabres de la part des gardes-côtes, peu habitués aux procédures à appliquer dans pareil cas. Под вопросом 5 стоит разрешение ФПС номер 5 у вас даже. У меня записано. Это не я писал, это матрос писал, он не мог придумать. У него фантазии не хватит. У нас это разрешение. Оно куда-то лежит, наверное, это разрешение. Но оно не у нас, оно где-то лежит в пограничной службе. Все, что у нас есть, мы вам показали. Капитан, наверное, начальник заставы. Boris, notre interprète et pilote de glace, connaît les méandres de l'administration russe et s'avère efficace. Tixi, comme Dixon, est un des ports principaux de la route du Nord. La ville a vu son activité chuter et sa population diminuer d'année en année. En 1999, alors qu'il tentait de franchir le passage du Nord-Est en un seul été, le voilier russe Apostol Andrei ne put progresser davantage et passa l'hiver à Tixi. Capitale de la province de Yakoutie, Tixi abrite une population d'évenques, de Russes et de Yakoutes. Après la chute de l'Union soviétique et la crise économique russe, certaines des minorités ethniques de Sibérie ont sombré dans le désœuvrement et la misère. D'autres, au contraire, se sont efforcés de retrouver leur mode de vie traditionnel afin de survivre à tous ces bouleversements. Sont rares et nous ne sommes toujours pas à l'abri d'un hivernage dans les glaces. Pendant que France essaye de dénicher quelques légumes frais, Boris entreprend de marchander du poisson à deux pêcheurs évenques. 2,5 kg. La transaction ne nous aura pas coûté grand-chose. Mais ce petit apport inattendu sera précieux pour nos amis pêcheurs. 5 kg. Gérard vérifie la qualité du gasoil avant de faire le dernier plein de l'expédition. Les 4500 litres de carburant nous serviront en cas d'hivernage à alimenter un système de chauffage central. Si nous devons passer l'hiver sur Vagabond, il nous faudra chauffer en permanence, car en Sibérie, la température avoisine régulièrement les moins 40 degrés. Après 3 semaines de navigation depuis Mourmansk, nous entamons le dernier tiers du trajet. Bering nous semble à portée de rêve. Nous ne devons pas oublier pour autant que certains de nos prédécesseurs ont été bloqués à quelques jours seulement du détroit de Bering. Bah depuis Tixi, ça va bien. Ça avance bien, sauf que c'est le brouillard, quoi. C'est le brouillard total. Le
la température s'est baissée un peu, la nuit commence à revenir. Ça, c'est un peu moins drôle, par exemple. Là, ça va, pour l'instant, on n'a pas de glace, mais quand il va y avoir de la glace, ça risque d'être chaud quand il y aura la nuit. Nuit, brouillard, glace, ça fait beaucoup de choses ensemble. Mourmans nous conseillait de ne pas traîner, ne pas tarder à Tixi, parce qu'un banc de glace aurait eu tendance à dériver vers la zone où on arrive maintenant. Et pour l'instant, en tout cas, pas de confirmation ni de Mourmans, ni de Visu, ni d'ailleurs sur ces glaces. Sinon, ça va être complexe. Yes. Il faut aller go. Hop. Oh. Oh. Ah non, non, non. Plutôt là. Non. Servez-vous. Directly, hein. Tout est sur la table. Un peu de ça. Ah ouais, mais là, c'est trop tard. Il y en a qui surveillent la route quand même, on sait jamais. Hein. Moi, je regarde, ouais. Mais je vais me mettre au bord, là, encore. Si on trouve pas de mouillage et qu'il y a un peu quelques probabilités de glace, ben on n'est pas bien. Hein. Et là il y a la nuit qui tombe peut-être un peu vite parce que c'est marrant, et puis qu'on se perd son bouton là. Ouais. Et donc il y a cette fameuse grand voile qui est un peu pétée, qu'il faudrait réussir à affaler. Attention. Yes. La nuit tombe. La houle se lève et notre grand voile ne s'enroule plus. Impossible de l'affaler par vent trop violent. Il nous faudra donc être vigilants et prier pour qu'il n'y ait pas trop de glace sur notre chemin. Vas-y, passe de l'autre côté. Ok, fais gaffe à tes doigts. Non, 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 attache-la d'abord. Attache-la, sinon tu vas se faire mal. Ok, vas-y. Pendant que Gérard manœuvre difficilement la grand voile, Eric essaye en vain de contacter le Dagmarhaen. Voilà une semaine que nous n'avons pas eu de nouvelles du voilier allemand et nous aimerions savoir s'ils sont devant ou derrière nous. Dagmarhaen, 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 this is Vagabond, Dagmarhaen, 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 Vagabond. Le jour permanent de l'été arctique laisse place à de courtes nuits qui rendent la navigation nocturne de plus en plus risquée. Vagabond arrive en mer des Tchouktches. C'est ici qu'en 1879, la Jeannette, commandée par George Washington de Long, se trouva bloquée dans les glaces, puis dériva pendant 2 ans avant de couler au large de l'archipel de Nouvelle-Sibérie. Depuis, le détroit porte son nom. La nuit fut agitée. Le vent, la houle et l'obscurité ont perturbé notre navigation au milieu des morceaux de banquise. Une fois de plus, nous avons dû doubler l'écart de veille et réduire nos temps de sommeil. Vous avez de la glace, de la nickel, côte, hein. du plus de houle, c'est pas mal, hein. Voilà, c'est l'année dernière, nickel, pour dormir, c'est parfait. Alors si t'as dormi que à partir de moi, il n'y en avait plus du tout, t'as pas dû dormir longtemps, parce que ça fait pas longtemps qu'il n'y en a plus du tout. C'est la glace, ça va, ou ça m'a toujours fait mal. Une petite tache blanche à la surface attire l'attention de Gérard. En nous approchant, nous découvrons un ours polaire. Nous sommes surpris de l'observer en pleine mer, aussi loin des côtes. Le plus gros prédateur de l'Arctique n'a pas peur de l'homme et n'hésite pas à l'attaquer. Il chasse les morses, les bélugas et les baleines.
capable de survivre aux climats extrêmes, il peut rester jusqu'à 2 minutes en apnée sous l'eau et nager jusqu'à 100 km des côtes. Après seulement 28 jours de navigation depuis Mourmansk, nous voici déjà proches du détroit de Bering. Jamais nous n'aurions espéré une progression aussi rapide. Si les glaces ne s'y opposent pas, nous atteindrons notre but dans quelques jours. La rapidité de notre progression et le peu d'escales autorisées n'ont pas étanché notre soif de découverte. Nous improvisons alors quelques escales sauvages. Ici, un navire canadien échoué nous rappelle que les conditions de navigation n'ont pas toujours été aussi clémentes. C'est non loin de là, dans une petite baie, que le Suédois Nordenskjöld, à bord de la Vega, se retrouva pris par les glaces, le 30 septembre 1878, à un jour seulement du détroit de Bering. Après un hivernage dans des conditions extrêmes, il fut le premier à réussir le passage du Nord-Est. Vouloir le réussir en un seul été sur un petit voilier de 15 mètres est un défi des temps modernes. Mais rendons hommage aux aventuriers du Grand Nord qui, il y a 150 ans, avaient déjà foulé ces terres et presque réussi le passage en un seul été sans les moyens dont nous disposons aujourd'hui. Regardez les glaces devant. Température de l'air. 3-3. Oh là 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 là. Je sais plus où il est. En passant non loin des côtes, nous repérons un petit village. La tentation est forte de nous y arrêter. Allez hop. Bon, allez, j'en roule alors. Ouais, vas-y, ouais. Boris s'inquiète de cette escale imprévue. Il se sent responsable vis-à-vis de l'administration qui nous autorise à naviguer ici. You must have permission for your visit for this show. Don't worry. No, I know your position. If you want to stay here, then please. We can stay till morning and then we up and can go to eat. Please, but impossible to visit without permission. Слушай, у вас какие-то власти есть тут, нет? Есть. Кто у вас есть? Порт-танцор или что-нибудь, или пограничники? Нет, это все совет только, и все. Ну а как вот еще приходит сюда, как вот это? Все утром. А? Так все обращайтесь, они у вас по рации. А какой канал? Какой канал? 58-85. Это чистота? Чистота. А, дело в том, что это же иностранцы, а проблем не будет никаких. Нет, нет. Здесь только представители власти поселка, и все. Ну хорошо, вы позовите его, чтобы он на чистоту вышел. Capitaine, il y a une délégation qui arrive. Le bateau de pêche est rempli, c'est pas des poissons. Avant même d'avoir mis pied à terre, des villageois, poussés par la curiosité, viennent nous rendre visite. Les échanges avec des étrangers sont rares, les questions sont nombreuses. Ну только у вас рыбу ловите, да, еще? Нет, оленеводство, охота на зверя. Yes. Очень рано море открылось, такого практически очень редко. Ну, клуб, кстати, это самое.
Кинотеатр, да? Нет, не кинотеатр. Нет. Через два года, вот новый будет строиться. Ну, а телевидение достается? Телевидение, да. А? Приемная станция Москва, телевидение. Три канала. Три канала. Да. Situé en Sibérie orientale, dans la province de Tchoukotka, le village de Nyeshkan abrite 600 habitants, pour la plupart de l'ethnie Tchouktch. Les Tchouktch, après avoir longtemps résisté aux armées cosaques, furent les derniers autochtones de Sibérie à se soumettre à la loi russe. Aujourd'hui, au nombre de 15 000, ils pratiquent l'élevage de rennes, la chasse aux morses et aux mammifères marins. Nous reprenons la mer. Les conditions de navigation sont idéales. Bering n'est plus très loin. Là, on est juste aux portes de Bering. Et moi, c'est un moment fort pour moi, parce que Bering, c'est le Cap Horn de l'Arctique, quoi, on va dire. C'est un endroit où souvent la mer est mauvaise, c'est un endroit difficile d'accès, quoi, tout ça. Et moi, je suis pas un grand fan de baston de mer violente, là. Parce que les eaux, je suis plus heureux dans les eaux tranquilles. Donc, en prévention, non, mais bon, moi, si c'est calme, je suis très content. Hein. Voici 4 semaines que nous naviguons dans l'océan glacial arctique. Après avoir traversé 5 mers différentes, nous voici aux portes du Pacifique, à quelques kilomètres seulement de l'Alaska. Par contre, on ferait mieux, de, si ça ne mollit pas, d'aller dans la Bella avant, pour appeler la grand voile. Parce que si ça, c'est déjà sur le cap, l'engorgement de vent... Non, mais pour l'instant, on essaye de serrer le vent pour rentrer dans la baie. Quoi. On va faire mieux, hein, pour l'instant. Ouais. Are we bound for Anchorage? Yes. Yes. Shall we go ashore? I don't know. I don't know. I must inform. Yes, but first we find a place and then we see. But we cannot go to Bering with a strong south wind. Une fois qu'on aura acheté l'ancre tranquillement, on pourra gérer la grand voile, je pense, plus tranquille. Enfin, si on a besoin d'être 3 pour la grand voile, c'est mieux comme ça, quoi. Nous sommes à 1 heure seulement du détroit de Bering. Son passage symbolisera la réussite de l'expédition. Mais le vent est trop fort pour continuer à naviguer et nous nous abritons près du village de Wellen. L'enrouleur n'a pas pu être réparé. Alors nous affalons la grand voile pour ne pas nous faire surprendre par le mauvais temps. Le vent tourne et rend favorable notre progression vers Bering. Mais la houle se lève, et il devient trop dangereux de rester au mouillage. Vagabond pourrait dériver contre la falaise. C'est bien parce que c'est dynamique, là. Avec la houle qui... C'est pas sûr qu'on puisse attendre. Hein. Nous avons appris par radio que le Dagmar Aen est loin derrière nous. Nous pensions passer le détroit de Bering ensemble, mais l'attente au mouillage s'avère plus dangereuse que la navigation. Nous passerons donc le détroit de Bering cette nuit. В ресторане по стенкам висят тут и там три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. Un petit caribou pour arroser le... La phase du nord-est. Réussir le passage du nord-est en voilier et en un seul été est une première dans l'histoire de la navigation polaire. Aujourd'hui, après un hivernage dans le Pacifique, Eric, France et Gérard préparent leur retour en Bretagne. Entre tous les chemins qui y mènent, ils choisiront une fois de plus celui du Nord, mais cette fois, ils longeront les côtes canadiennes pour boucler le tour de l'Arctique.
ругался и пил. Он спросил про отца, и кричал он, уставясь на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь под Иуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною. Я сидел как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиной». Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно. Он ругался и пил, он спросил про отца, и кричал он, уставясь на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь под Иуда».